C'est un immense théologien, il est gigantesque, sa pensée est gigantesque. On a l'impression qu'on frôle le manteau du Christ avec Irénée, vraiment qu'on touche le Christ à travers Irénée. C'est un jaillissement, c'est un pur jaillissement. Il nous dit quelque chose de la fraîcheur de l'Église dans ses commencements. Although Irenaeus lived in the period of classical antiquity, he's profoundly modern. People of the 21st century can draw inspiration from his work without ever having the impression of returning to the past. Irenaeus was born in Smyrna, in Asia Minor, that is modern-day Turkey, around 130 AD. This is the time of the first Christians in the early church. Irenaeus' spiritual master was Polycarp, who was a disciple of St. John the Evangelist. So, one could almost say that Irenaeus was the grandson of St. John the Apostle. And spiritually, he most certainly was. I can describe the place where the blessed Polycarp used to sit and speak, how he arrived and how he left, his general mode of life and personal appearance, together with the words he spoke to the people. I remember what he said about John and about those who had known the Lord. These words, through God's mercy, came to my ears. I listened attentively and wrote them down, not on paper, but in my heart. And again, by God's grace, I have lovingly meditated upon them in my mind. Irénée, il est celui qui nous a transmis ce que l'on appellera la règle de la foi. La règle de la foi, au fond, c'est la première synthèse de ce que l'on appellera plus tard notre credo. Ces affirmations de la foi sont au service de la transmission et de la transmission d'un événement. Et cet événement, c'est l'événement Jésus-Christ. Voilà le sens fondamental pour lui de la tradition. C'est un transmetteur de l'évangile, Irénée. Il a essayé d'insuffler la sève de l'évangile à toutes les questions qui lui étaient renvoyées. Alors c'est ce qu'il appelle la tradition qui vient des apôtres. Et le mot, malheureusement, est devenu un mot un peu un nom commun et on ne voit plus trop ce qu'il y a derrière. Mais derrière ce mot-là, il y a un dynamisme profond, c'est-à-dire c'est le fait de recevoir et de transmettre. La tradition, ce n'est pas un paquet, c'est un mouvement. Et Irénée a vraiment mis ça en valeur. On comprend la tradition aujourd'hui plutôt comme quelque chose de figé, et, voire de poussiéreux. Et on oublie qu'avant d'être un mot dans notre langue, c'est d'abord un verbe, notamment en latin, trado, tradis, tradere, c'est un verbe, donc c'est un processus, ce n'est pas une chose. In Lyons, France, formerly called Lugdunum, Irenaeus providentially escaped the persecution of the Christians in 177 AD. Pothinus, the first bishop of Lyons, was imprisoned and died from exhaustion in his cell. Christians who were Roman citizens were decapitated. Others suffered horrible deaths after being tortured in the arena, including the brave Blandina. Irenaeus was sent to Rome to hand a letter to Pope Eleutherius, which contained a detailed account of this martyrdom. On his return to this deeply wounded community, Irenaeus succeeded Pothinus and became the second bishop of Lyons. Thank you.
We cannot describe the violent fury of the pagans against the Christians and all that the blessed martyrs endured. They were jeered at, struck, dragged along the ground, stripped, stoned and imprisoned, enduring everything that the furious mob sought to inflict on its adversaries and enemies. Il était très aimé par tous ses paroissiens et les chrétiens autour de lui quand il était à Lyon. Et il porte son nom comme un homme de paix. Irénée est d'abord un pasteur. D'ailleurs, les premiers chrétiens de Lyon, on dira les premiers martyrs, lorsqu'ils vont l'envoyer en ambassade en quelque sorte à Rome, vont dire « Nous vous envoyons Irénée, notre frère et notre compagnon », avant même de parler de lui comme un prêtre ou comme un évêque. Et ça montre bien l'enracinement d'Irénée et sa communion avec le peuple auquel il est attaché. Dans les crises que traverse aujourd'hui l'Église, pour moi, cette formulation est très importante. Elle est une sorte d'antidote contre la tentation du cléricalisme. Le deuxième évêque de Lyon, saint Irénée, a été d'abord présenté comme frère et compagnon des chrétiens de Lyon. Il nous accuse à tort. On dérange, Jean. Tu le sais, il ne faut pas avoir peur de déranger. Le Seigneur nous guide. Nous ne comprenons pas tout, mais il nous guide. Oui, je pense. Pour le moment, c'est lui. Irénée et Irénaios en grec signifie homme de paix, et c'est ce que dit l'historien Eusèbe au IVe siècle en disant il a bien mérité son nom. L'épisode le plus connu, c'est le fameux épisode de la date de Pâques, tous les chrétiens ne fêtaient pas Pâques au même moment, et l'évêque de Rome qui a voulu y mettre bon ordre. Et il a dit dorénavant, on fêtera Pâques un certain jour, et toutes les autres pratiques doivent cesser, sinon j'excommunie ceux qui pratiquent autrement. Et là, ça a fait pas mal, évidemment, de bruit. Et Irénée est intervenu en expliquant à l'évêque de Rome qu'on ne pouvait pas agir comme ça. Il y avait un vrai risque de schisme à cause de cette question à son époque. Et de fait, il a permis que l'Église de Rome vive en bonne intelligence avec les églises d'Asie qui avaient donc un autre usage qu'elle. Une des grandes passions d'Irénée, c'est d'insister sur l'unité du peuple de Dieu, l'unité du corps du Christ. Irénée va dire que la diversité des observances ne fait que confirmer l'unité de la foi. On voit bien cette passion d'Irénée qui se bat contre toute tentative d'uniformiser, de vouloir que tout le monde ait la même démarche, la même pensée. Je le sais, mon cher Martianus, ton cœur et rempli de cette ardeur pour chercher Dieu. Irenaeus addressed his disciple Marcianus with great affection and answered his questions concerning the faith. What Irenaeus wrote to Marcianus would later be known as the Demonstration of Apostolic Preaching. This book can be considered as the first catechism. It is very easy to read, it is accessible to everyone, and depicts a marvelous fresco of the history of salvation. It is the story of God associating his destiny with that of humanity. Irenaeus's thought has irrigated the whole of Eastern and Western tradition, but for centuries it was more or less forgotten. It was rediscovered in the 20th century. Vatican II used Irenaeus's teachings along with the works of other fathers of the church, and his theology is based entirely on scripture. On sent qu'il aime les écritures, qu'il les connaît par cœur. Je suppose qu'il n'a pas toutes les écritures sous les yeux, qu'il les a apprises, comme la plupart d'ailleurs apprenaient à l'époque les écritures par cœur. Et il démontre la foi de l'Église toujours à partir des écritures. Une des forces d'Irénée, c'est qu'il démontre l'unité des écritures. Il y a deux testaments en une seule révélation et qu'on ne peut pas les séparer et qu'on ne peut pas rejeter quoi que ce soit de l'écriture du Premier Testament. Irénée est le premier, à ma connaissance, à faire une distinction en disant on va d'abord commenter pourquoi l'homme est à l'image de Dieu et puis ensuite pourquoi il est à la ressemblance. Et ce « et » du coup est vraiment le lieu là de germination de sa théologie. C'est beau. Alors, ce qui est à l'image de Dieu, c'est le fait d'être un homme. C'est donné, c'est cadeau. Et ensuite, avec ce « et » à la ressemblance, il introduit la question
qui pour nous est vraiment essentielle, la question de la liberté. L'homme est à l'image de Dieu et il peut progresser dans la ressemblance de Dieu. Pour moi, c'est ce qui rend Irénée très, très attachant. Et pour aujourd'hui, ça répond à des tas d'attentes, en fait. Tous les gens qui cherchent le développement personnel, etc., là, ils peuvent trouver un développement personnel chrétien, complètement ancré dans la Bible et complètement, du coup, dans la tradition patristique. Et c'est vrai que dans l'Église orthodoxe, c'est un sujet qui nous est très cher. On parle assez peu, finalement, de sanctification. On va parler davantage de divinisation. Et en fait, pourquoi c'est plus fort comme terme pour nous ? Parce que c'est vraiment, excusez-moi, c'est un terme peut-être un peu familier, c'est comme si on colle à Dieu, quoi. On va vers Dieu et on le quitte plus, quoi. On s'approche de lui et on colle avec lui, quoi. Donc il a une vision extrêmement optimiste, extrêmement positive de l'homme qui est en chemin de perfection de lui-même avec la grâce de Dieu en toute liberté. Et cette liberté fondamentale, elle est très profonde. Et ça rejoint beaucoup l'homme d'aujourd'hui. Et ça rejoint aussi un peu Paul qui dit, attention, on a une liberté, mais comment on l'utilise ? Voilà, comment on en use ? Dieu fait tout, mais il ne fait rien sans l'homme. À un moment, il cite Matthieu, c'est une parole de Jésus, qui dit « Jérusalem, toi qui tues les prophètes, combien de fois j'ai voulu vous rassembler dans l'unité et vous n'avez pas voulu ?» Et c'est là-dessus qu'Irénée part en disant, vous voyez, il dit « vous n'avez pas voulu ». Ça veut dire que le Christ lui-même respecte la volonté des humains. Les humains n'ont pas voulu, eh bien, Jésus en prend acte et il le regrette, bien sûr, mais il n'essaye pas de forcer une porte qui ne veut pas s'ouvrir. Mais si Dieu nous a fait et qu'il veille sur ses créatures, comme tu le dis, alors pourquoi tant de malheur ? Dieu est généreux. Dieu est patient. Il connaît la faiblesse des hommes et il permet qu'ils fassent l'expérience du bien et du mal, ceci afin qu'ils choisissent le bien. L'homme est libre depuis le commencement. N'oublie pas, ça n'est pas toi qui fais Dieu, c'est Dieu qui te fait. Parmi les chemins très originaux qu'Irénée a empruntés, il y a cette idée extraordinaire que la création de l'homme a été faite pour le bon plaisir de Dieu. Ça paraît un peu banal de le dire comme ça, mais pendant des siècles après Irénée, on a plutôt pensé la raison de l'incarnation, pourquoi le Christ s'est incarné, en termes de réparation. En gros, la création était cassée à cause du péché originel, il fallait la réparer. Et c'était pas très flatteur ni pour Dieu parce qu'il s'était raté dans son œuvre de création, ni pour l'homme parce qu'il ne s'agissait pas d'autre chose que de recoller ce qui était cassé. Il n'y a pas chez lui de catastrophe cosmique qui s'appellerait le péché originel. Alors bien sûr, il en parle du péché d'Adam et de ses conséquences universelles. Il ne nie pas ça du tout, mais c'est un accident de croissance, un peu. Et ce qui est très beau, c'est qu'il a vraiment cette vision de l'humanité qui est en croissance. Depuis son origine, c'est son image qu'il dit dans sa catéchèse, l'humanité a été créée enfant, à l'état d'enfance. Mais évidemment, un enfant, il fait des erreurs, il se trompe, il peut commettre le mal, mais sa croissance va peu à peu lui permettre de sortir de ce mal, de l'engrenage du mal. Et c'est aussi un enjeu de liberté pour Irénée, parce qu'il a bien lu Paul, qui parle de l'esclavage du péché. Effectivement, on est loin de toutes ces techniques où finalement l'homme se sauverait à partir de lui-même, sans Dieu, et n'aurait même pas besoin de l'hypothèse de Dieu pour atteindre, au fond, une forme de plénitude, de paix intérieure. L'homme vient de Dieu comme créature et il est appelé à revenir à Dieu
en étant récapitulé dans le Christ, mais revenir à Dieu non pas comme un retour à la case départ après le faux pas du péché des origines, mais à revenir à Dieu en étant, vous me pardonnerez l'expression, mais qui est très moderne, augmenté. The glory of God is the life of man, and the life of a man is the vision of God. Il faut voir que pour les anciens, la vision, elle venait non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas d'être transformé par Dieu de l'extérieur, mais il s'agissait vraiment d'être transformé de l'intérieur par Dieu lui-même. This vision of Irenaeus is incredible and refreshing. For him, God desired the incarnation of Jesus for all eternity. It is the summit and the perfect fulfillment of his plan of love. In Christ, divinity makes contact with humanity forever. And never, however profoundly lost we become, does the Creator abandon his creature. L'homme progresse, l'homme chemine vers son accomplissement dans le Christ, qui est un peu le point oméga qui était cher à Teilhard. Et c'est vrai qu'on compare parfois Irénée Teilhard-Chardin dans le phénomène humain, qui montre cette progression constante, c'est l'évolution. L'évolution de l'humanité, c'est ça. Depuis l'état d'enfance, l'humanité a tout à apprendre au départ. Mais justement, Dieu est là, qui lui apprend tout petit à petit. Et l'une des grandes idées d'Irénée aussi, qui est très intéressante et qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est le rythme de croissance de l'homme. C'est un rythme lent. L'homme pousse lentement, comme un arbre, comme n'importe quelle plante. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et il faut respecter ce rythme. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu est patient. Mais certains disent que seulement un petit nombre connaîtra la vie éternelle. Et toi, Irénée, tu crois que tout le monde peut être sauvé ? Ce monde qui nous entoure, les animaux, le ciel, les étoiles, le cosmos tout entier. Zaïe a prophétisé. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Tout cela arrivera pour les animaux et pour le cosmos lors de la résurrection. Toute créature, selon la volonté de Dieu, va croître et atteindre sa plénitude. Cette plaie qui est la mort, Dieu la guérira. In the end, Irenaeus doesn't offer us a system of thought or an ideology, but a form of integral theology, which embraces the cosmos as a whole and the whole history of man. In this integral theology, Irenaeus, among the fathers of the church, has developed something that is particular and unique to him. That is called recapitulation. En fait, c'est lui qui a pris ce terme chez Paul. Il l'a emprunté à Paul et il l'a déployé de manière très forte. Si ma mémoire est bonne, dans le Contre les hérésies, il emploie à peu près 50 fois, soit le terme, soit le verbe, récapituler. Alors, qu'est-ce que c'est pour lui récapituler ? Mais c'est l'idée qu'au fur et à mesure de l'histoire humaine, quand Dieu développe toute l'histoire humaine, toute l'économie divine, arrive au terme le Christ. Et le Christ récapitule tout, depuis Adam jusqu'à nous et jusqu'au terme de l'histoire, c'est-à-dire jusqu'à l'eschatologie. Pour Irénée, la création, elle n'est jamais terminée. Dieu est présent dans la création à chaque moment, à chaque seconde, au moment même où nous parlons, au moment même où nous pensons, l'idée même que nous parlons, nous sommes créés à nouveau et chacun de nos progrès est une nouvelle création. Irénée a le génie d'intégrer le temps dans sa pensée, d'intégrer ce que l'histoire peut apprendre de l'homme et pour l'homme. Sa conception de l'homme est assez éloignée finalement de la pensée grecque normale. La pensée grecque normale, c'est que le temps, c'est le changement, et le changement, c'est ce qui est contraire au divin. Le divin ne change pas, la perfection ne change pas.
Eh bien, au contraire, pour Irénée, le progrès, le temps, l'histoire sont des occasions de se perfectionner. Si bien que la perfection, ce n'est pas un état, ce n'est pas quelque chose de fixe, c'est au contraire une dynamique qui, en réalité, n'a pas de fin, puisque son but, c'est Dieu lui-même. The first centuries of Christianity were like a vast building site. The dogmas of faith, the canons of the scriptures, in other words, the list of officially recognized biblical texts, all this was not yet fixed. And in this vaguely defined landscape, strange sects sometimes flourished. Irenaeus spent a lot of energy fighting one of those sects he calls the so-called Gnosis. This sect held the belief that salvation came through knowledge and was only for certain initiates. Irenaeus wrote a major work called Against Heresies to address the Gnosis. Quand on parle de l'optimisme d'Irénée, moi je le place ici. C'est une vision qui n'est pas dualiste, parce que l'homme tout entier est à l'image de Dieu, c'est-à-dire on ne fait pas la distinction entre une âme toute belle, toute pure, toute seule, et un corps qui serait lourd, etc. Et il n'a pas du tout cette vision-là. Les gnostiques étaient complètement dualistes, et en plus, ils avaient une conception de Dieu qui était extrêmement éthérée, inaccessible, le plus inaccessible possible, pour que seule une petite élite puisse s'en approcher. En faisant le tri, évidemment, de ceux qui ne valent pas la peine. Donc, tout plein de critères, en fait, qui sont anti-évangéliques. En arrivant à Saint-Irénée, je quittais un quartier populaire qui s'appelle le quartier des Minguettes à Lyon. Et j'avais été frappé par les dérives, disons, ésotériques ou les tentations de suivre des courants de New Age ou de ces choses qui ressemblent beaucoup à la gnose que Saint-Irénée combattait à l'époque. Et c'est un petit peu ce qui m'a conduit à vouloir approfondir cette question pour voir comment Irénée, dans son combat, rejoignait des problématiques d'aujourd'hui. Aujourd'hui, à mon avis, ce sont les tentations qui sont toujours permanentes d'aller rechercher des explications complémentaires, de ne pas se contenter de la révélation et de croire que Dieu a toujours besoin de rajouter quelque chose à la première révélation qui nous a été donnée en Jésus-Christ. On pourrait imaginer aujourd'hui que Jésus est une sorte de Superman qui avait des pouvoirs exceptionnels, qui savait tout avant que ça lui arrive. Et il y a encore des chrétiens aujourd'hui qui sont tentés par cette problématique et qui ont beaucoup de mal à intégrer pleinement l'humanité de Jésus. No one should imagine that there is another Father God than the one who made us. That's what heretics think. They despise the God who is in order to construct a God who is not. Many people have been deceived by error and have moved away from the truth. Even in his struggle against the Gnostics, Irenaeus remained a man of peace. While trying to demonstrate the falsity of their doctrine, Irenaeus was also concerned with bringing people together. Il a voulu, là aussi, comprendre ce que c'était que la gnose, prendre le temps d'étudier ce mouvement religieux et ensuite de l'exposer et de montrer pourquoi on ne pouvait pas le suivre. Là aussi, c'est encore une façon, au fond, de respecter l'adversaire. Il n'est pas parti avec l'excommunication à la bouche tout de suite, en disant « il ne faut pas penser comme ça, il se trompe ». Il a exposé leur doctrine. Parfois, il s'en moquait un peu aussi, parce qu'il ne manquait pas d'humour. Mais il a pris le temps vraiment d'expliquer les choses. Et du coup, là aussi, on peut penser qu'il a ramené l'unité en empêchant un certain nombre de chrétiens de filer ailleurs. Ça se sent la place de l'Esprit-Saint, la manière dont il parle de l'Esprit-Saint. On voit bien qu'il n'en parle pas comme d'une idée ou comme d'un concept. Il en parle aussi comme d'un principe de vie en lui. Quelqu'un qui le fait vivre. Donc c'est un homme spirituel et c'est un pasteur parce que son souci pour les âmes qui lui sont confiées transparaît à travers ses œuvres.
cited 19 times during the Second Vatican Council, Irenaeus has become a great ecumenical figure for us today. And what if this theologian from the second century could reconcile us all? Catholics, Protestants, Orthodox, Evangelicals? Irénée au IIe siècle, il est là avant tous les conciles, donc avant, j'ai envie de dire, une dogmatisation de la pensée chrétienne. Et aucun concile ne va être contre Irénée. Tous les conciles vont confirmer la pensée et la théologie d'Irénée de Lyon. Et je pense que c'est pour ça aussi que c'est un très grand théologien, un gigantesque. Il avait prévu à l'avance, si on peut dire, qu'est-ce qui allait se dérouler dans les conciles, même si c'est de manière embryonnaire. Il est au début, donc c'est normal. Mais on peut encore puiser chez lui pour confirmer tous les conciles jusqu'au dernier concile, le septième concile œcuménique. Dear friend, here is the preaching of the truth. It is the path of life. This path, we must keep to it with the greatest care possible. Je connais Irénée depuis plus de 20 ans. Je l'ai rencontré dans mes études, mais au-delà des études, j'aime à dire que j'ai rencontré Irénée avant mon mari. Donc il a fallu qu'il nous prenne tous les deux en même temps. Donc effectivement, c'est un compagnon de route pour moi. Parce qu'Irénée, en fait, c'est pas une pensée sèche. C'est pas un livre. C'est pas des choses à apprendre par cœur. Pas du tout, du tout. C'est vraiment quelqu'un qui fait vivre. Et moi, je le considère vraiment comme un compagnon, parce qu'il aide à marcher. If you are God's handiwork, expect his hand everywhere. Give yourself to him who can mold you, he who does everything well. Only the Lord can make a work of art out of the poor clay which is yourself.